Bon matin, chers partisans du Canadien de Montréal. That's the way it is. Avec le 23e jeu blanc en carrière de Carey Price, il rejoint José Théodore au 7e rang dans toute l'histoire du tricolore. Bravo, Carey. Avec cette victoire de 2-0 contre les Flames de Calgary, le Canadien reprend le 3e rang de leur division devant les Maple Leafs de Toronto qui, eux, ont perdu hier soir. Pam, pam, lam, lam, pam, pam. Hier, j'avais prédit un but de René Bourque. Pourquoi pas? Parce qu'après 4 matchs, il y a eu plusieurs chances de marquer. Eh bien, effectivement, mon souhait s'est réalisé. René Bourque, René a compté. Yes! Bravo, René! Et j'ai bien aimé la cohésion, la chimie du 4e trio avec le nouveau venu, Tailwiz, qui, lui, on a eu un retour de Raphaël Diaz via les Canucks de Vancouver, a bien fait son travail pour son premier match avec les Canadiens. Il se dirige, il fonce souffler avec son gros gabarit et complète très bien ses mises en échec. Et en plus, il est plus rapide que Josh Pavels. Good, ça. Beau travail aussi du trio en désavantage numérique de Brandon Pross, Just Joseph et Douglas Murray, qui eux à eux seuls ont étouffé pendant 2 grosses minutes un 3 contre 5 des Maple Leafs, qui pour moi fut le tournant du match. Bravo, boys! Sans oublier le bon retour de notre ami Ryan White qui lui a connu un bon match quand même et a réussi à obtenir la 3e étoile du match. Ah oui, j'oubliais, l'autre but du Canadien appartient à David Dernay. Avec ces 2 défaites de ce dernier week-end de Super Bowl, on récolte quand même 2 gros points qui vont faire sûrement du bien aux Canadiens et un peu de confiance d'ici la pause olympique. Merci d'avoir regardé ma capsule d'après-match. Je vous donne rendez-vous jeudi soir contre Raphaël Diaz et les Canucks de Vancouver. Sur ce, bonne journée. Je vous dis à la prochaine, si Dieu le veut. Go Habs, go! On va voir à 5 contre 3. Russell remet à Giordano. Murray touche à la rondelle. Derrière le filet, Hudler reprend. Hudler remet derrière à Becklund. Becklund derrière à Hudler. Voilà, tire ensuite de Giordano, l'arrêt de Price. Giordano a un excellent tir. Il a 6 buts en supériorité cette saison. Mais Price a le dernier mot. On entend la règle là-dessus, ouais. Et la Price gagne la mise en jeu. Et Murray, aussitôt, s'empare de la rondelle et la rejette à l'autre bout. Alors la contre-attaque est menée par Chris Russell. Russell remet vers Hudler. Dégagement derrière le filet. Le disque ira à la ligne bleue vers Giordano. Giordano passe dans le coin. Camilleri lui remet la rondelle. Ensuite, ça ira à Russell. Russell à Giordano. Voilà son tir. C'est bloqué par Murray. Un tir violent. Et Murray encaisse la douleur. Voilà Giordano qui remet à Camilleri. Et devant, c'est dévié. Price était prêt. On va se ruer sur Becklund et sur Camilleri pour venir nettoyer là, le pan du filet, si vous me permettez l'expression. Et tout s'arrête avec 1 minute aux 2 pénalités. A tout un rôle en défensive avec Travis Moen qui n'est pas disponible pour le match de ce soir, blessé au bas du corps, Pierre. Là, on chasse Becklund de cette mise en jeu. Camilleri s'amène devant Prost. Le disque, attendons voir, ira finalement vers Giordano. Giordano remet à Hudler. Hudler veut remettre devant le filet, c'est raté par Becklund. Giordano reprend. Passe ensuite à Russell. De Russell à Hudler. Hudler remet à nouveau à Russell. Russell se déplace un peu. Cross ne mord pas. Voilà Giordano qui revient vers l'enclave. Son tir directement sur son coéquipier Becklund. Et c'est repris ensuite par Russell. Russell tire. Price fait l'arrêt. Bien vu le disque. Carte avec la mitaine. Il marque a beaucoup de difficultés à mettre le poids sur son... Sur le pied là, qui a encaissé une tire frappée, mais Murray reste là avec Georges. On a délégué Giunta maintenant à la place de Prost. Alors c'est Brody maintenant qui reprend le disque près de la ligne bleue. Brody passe à sa droite. Whiteman s'avance un peu. On va voir que le geste de Murray va pas de rien. Et la rondelle va à bout.
aboutir en territoire des Flames. Et là, John Thott en rajoute au départ de Brody. Et Allard et Pécanette reviennent dans la mêlée en même temps. Et bien, on arrive. Here you can see the puck right on the line. Now, is there daylight? And that is the million-dollar question right here. You do see a good look, but Carey Price, the presence of mind to know it's there.